covered my ears with the microphone. Praise the Lord. Yesterday we started sharing. Hier, nous avons commencé à partager. That we need, if you want to build a life, que si on veut bâtir une vie, build a family, bâtir une famille, build a church, bâtir une église, build a society, bâtir une société, you want to build a nation, si on veut bâtir une nation, if you want to build a kingdom, si on veut bâtir un royaume, if you want to build a generation, si on veut bâtir une génération, you must give them strong foundations. Il faut leur donner des fondations solides. If we want to build a ministry that will conquer the world, si nous voulons bâtir un ministère qui va conquérir le monde, if we want to build a generation that know God, si nous voulons bâtir une génération qui connaît Dieu, we must give them strong foundations. Il faut qu'on leur donne des fondations solides. Those who want to go far academically must have strong academic foundations. Ceux qui veulent aller loin sur le plan académique doivent avoir des fondations académiques solides. If you want to go far spiritually, si on veut aller loin spirituellement, you must have strong spiritual foundations. Il faut avoir des fondations spirituelles solides. If you seek to go far politically, si on veut aller loin sur le plan politique, you must also have and build solid and strong political foundations. Il faut aussi avoir et poser des fondations politiques solides et fortes. If you want to go far financially, si on veut aller loin sur le plan financier, you must also lay solid financial foundations. Il faut aussi poser des fondations financières solides. Those who want to have a very solid financial future, ceux qui veulent avoir un avenir financier très solide, do not look for money that comes abundantly, rapidly, and at minimum cost. Ceux qui veulent avoir un avenir financier solide ne cherchent pas l'argent qui vient de façon rapide, abondante et à peu de prix. That kind of money does not last. Ce genre d'argent ne perdure pas. The money that will last, l'argent qui va perdurer, comes little by little, s'acquiert petit à petit. And it's the wisest man on earth who said so. Et c'est l'homme le plus sage sur terre qui l'a dit. C'est l'homme le plus sage sur la terre qui a dit cela. In Proverbs, dans les Proverbes, chapter 13, verse 11. Au chapitre 13, verset 11. Alléluia! Amen. Proverbes chapitre 13, le verset 11. La richesse trop vite acquise disparaît vite. Celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. Amen. Maybe you have never heard that. Peut-être que tu n'as jamais entendu cela. If you want to go very far in your finances, si tu veux aller très loin dans tes finances, you cannot be the kind of person that will enter the kind of things that promise you rapid money. Abondant, rapid money easily gotten. Si tu veux avoir la richesse qui perdure, tu ne peux pas opter pour les choses qui te promettent de l'argent en abondance très rapidement et à moindre prix.
Si une banque te dit qu'on va apporter 500 000, après 3 mois, tu vas avoir 1 million. Si tu es sage, fouille. Parce qu'ils vont faire quoi pour avoir, pour doubler cet argent-là en 3 mois. If you want to have a solid future, si tu veux avoir un avenir solide in life, dans la vie, even in social life, même dans la vie sociale, you must build a solid foundation. Il faut que tu poses une fondation solide. Those who want to have peace when they are 60 years old, ceux qui veulent avoir la paix quand ils auront 60 ans, and not be troubled by rent, and not be troubled by school fees, et ne pas être troublé par les besoins de loyer ou de frais de scolarité. They lay a solid foundation. Ils posent une fondation solide. When we're young, they told us get married by around 25 years old, so that by the time you are 50 years old, your child will be 24 years old and be finishing university. So that between 50 and 60, if you are still working, you save money to be at peace. On disait qu'il faut se marier à 25 ans, pour que à 50 ans, les aînés vont prendre soin des cadets, et tu seras en paix. Dis amen. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu es marié à 30 ans, à 35 ans. But if you wait to get married at 30, 35, quand tu auras 50 ans, when you'll be 50, tes enfants auront encore 15 ans. Your children will still be 15. Pendant que tu devais être au moment de ta vie d'être posé. At the time of your life, when you should have been at peace, at rest. Tu seras encore en train de chercher les pensions. You still be looking for school fees. Et chercher l'argent de loyer. And looking for rents. Those who want a good social life. Ceux qui veulent une bonne vie sociale, they lay good foundation, posent de bonnes fondations in their marriage, dans leur mariage, in the way they raise their children, dans la manière dont ils élèvent leurs enfants. They build up children who are responsible. Ils bâtissent, ils élèvent des enfants qui sont responsables, not selfish, pas des enfants égoïstes. Who, when they will start working, will only eat all their money and give nothing back to the family. Qui, dès qu'ils commencent à travailler, mangent tout leur argent sans rien donner à la famille. If you want a good social future, si tu veux un bon avenir social, si on veut un bon avenir social, you lay a proper foundation. On pose une fondation conséquente. If your children are selfish, si tes enfants sont égoïstes, and you train your children only to look out for the great Mr. Me, et tu formes tes enfants de manière à ce qu'ils ne cherchent que le bien du grand monsieur moi, c'est-à-dire eux-mêmes. À ne chercher que leur propre intérêt. If you build that kind of children, si c'est ce genre d'enfant que tu élèves, even if they become director general someday, you will still take care of your family. Même s'ils deviennent des DG un jour, tu vas devoir continuer à prendre soin de ta famille. In English, there is a poem called "The Tea Party." En anglais, il y a un poème intitulé "The Tea Party." I held a tea party. J'ai tenu une Just stop. I held a tea party
And the company was filled. Just three of us. I, me, and myself. So I. I gave myself three servings of cake and I myself drank the remaining three cups of tea that were kept for me. It's just a bad poem. That's not the kind of poem that I want you to copy and remember. But I held a great tea party. The company was very small. It was made up of three. Me and myself. Donc c'est quelqu'un qui dit qu'il a tenu une partie de thé avec très peu de participants. Ils étaient trois. Je, moi et moi-même. So if your child is the kind that holds this tea party of three, I, me and myself. Donc si ton enfant est ce genre-là, qui fait sa fête de thé composée de trois personnes, moi, je et moi-même. Then, even if they become president. Même s'ils deviennent président. No, you don't have a family. Tu n'as pas de famille. Your future is not settled. Ton avenir n'est pas garanti. When you are raising your children, quand tu élèves tes enfants, you should have a vision. Tu devrais avoir une vision. A vision of a social, a future where you have peace. Une vision d'un avenir où tu auras la paix. So you build the children. Ainsi, tu élèves tes enfants. To be responsible. De manière à ce qu'ils soient responsables. To be satisfied with what they have. De manière à ce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. And not always be looking for what they don't have. Et qu'ils ne soient pas toujours à la recherche de ce qu'ils n'ont pas. So that as soon as they are able to do something. De sorte que dès qu'ils sont capables de faire quelque chose. They start carrying responsibilities. Ils commencent à porter des responsabilités. And free you from from responsibilities that they can carry. Et te libère ainsi des responsabilités qu'ils peuvent porter. Those who want even a social future. Ceux qui veulent même un avenir social. Build a solid foundation. Posent une fondation solide. In their marriage, dans leur mariage, in their parenting, dans leur manière d'être parent, they do it well. Ils le font bien. I'm saying so that you can start. Je dis ça pour que tu puisses commencer. If you want a solid life in the future, si tu veux une vie solide dans l'avenir, build a good foundation. Bâtis, pose une bonne fondation. If you want to be strong in the future, si tu veux être fort dans l'avenir, build a solid foundation when you are young. Pose une fondation solide pendant que tu es jeune. If you run away from problems, every time there are problems, you run away. Si tu fuis les problèmes et chaque fois qu'il y a des problèmes, tu fuis. All your life. Alors toute ta vie. Even when you grow up. Même quand tu auras grandi. You will be running away from problems. Tu seras en train de fuir les problèmes. And you will be unstable all your life. Et tu seras instable toute ta vie. If you want to build a life, si on veut bâtir une vie, you lay a proper foundation. On pose une fondation convenable. If it is your financial life, your social life, your spiritual life,
your family life, s'il s'agit de ta vie financière, sociale, familiale, or academic life, ou académique, many times you meet students, plusieurs fois on rencontre des étudiants, and you immediately when you talk with them you say that this child did not have a proper academic foundation. Souvent on rencontre des élèves ou bien des étudiants et tu constates qu'ils n'ont pas eu une bonne fondation académique. Ils ont sauté beaucoup de leçons quand il fallait les faire. Les gens qui à l'université font encore les conjugaisons du village. Tu sais jusqu'à un certain moment, ils ont raté les fondements. Dans la vie, on trouve certains enfants et on dit que celui-ci n'a pas eu d'éducation, est mal élevé, n'est-ce pas? Celui-ci est mal élevé. Il n'a pas été bien, il n'a pas reçu les fondements, des bons fondements pour une vie sociale. Donc si on rate les fondations, if we miss the foundations academically, the person will suffer all his academic life. Donc si on rate les fondations sur le plan académique, la personne va souffrir toute sa vie sur le plan dans sa vie académique. If we miss the social the basics in social education. Si on rate les bases dans l'éducation sociale, the person will suffer, you have a handicap. La personne aura un handicap. All his life. Pendant toute sa vie. And there are many people who are crippled by many handicaps. Et il y a beaucoup de personnes paralysées par plusieurs handicaps. Because they did not have the proper foundation. Parce qu'elles n'ont pas eu les fondations qu'il fallait. When we study the Bible, lorsqu'on étudie la Bible, as we go through the Bible, pendant qu'on parcourt la Bible, if you look at all the people that became very useful to God, si on examine toutes les personnes qui sont devenues très utiles à Dieu, and you ask, et on se demande, how did they build their usefulness to God? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être si utiles à Dieu? If you ask that question, si on pose cette question, you will begin to find the spiritual foundations of spiritual usefulness. On va commencer à trouver, à identifier les fondations spirituelles pour être utile spirituellement. What made Moses so useful to God? Qu'est-ce qui avait rendu Moïse si utile à Dieu? What made David so useful to God? Qu'est-ce qui avait rendu David si utile à Dieu? What made the prophets so useful to God? Qu'est-ce qui avait rendu les prophètes si utiles à Dieu? What made Paul so useful to God? Qu'est-ce qui a rendu Paul, par exemple, ou telle autre personne si utile à Dieu? If we want to lay a foundation, si on veut poser une fondation, we must have a clear vision of what we want to build. Il faut qu'on ait une vision claire de ce qu'on veut bâtir. What do we want to build? Qu'est-ce que nous voulons bâtir? Want to build a generation that knows God and serves God in order to accomplish our goal. Nous voulons bâtir une génération qui connaît Dieu et qui sert Dieu afin d'accomplir notre but. We want to build a generation of young people, you, who know God.
Nous voulons bâtir une génération de jeunes gens, vous, une génération qui connaît Dieu. And that we serve God so that we accomplish our goal. Et qui va servir Dieu de manière à ce que nous accomplissions tous notre but. If that is the goal and the vision, si c'est cela le but et la vision, what kind of foundation must we lay? Alors, quel genre de fondation devons-nous poser? What must we plant in your life? Que devons-nous planter dans vos vies? As I've been looking at the people of the Bible, pendant que j'ai été à examiner les gens de la Bible, I identified about seven basics that we must impart to in our foundation camps. J'ai identifié environ sept éléments de base que nous devons impartir dans nos camps de fondation. If we want to give you a foundation, si nous voulons vous donner une fondation, as I look at Abraham, Moses, and all those men that counted for God, pendant que j'ai examiné Abraham, Moïse et tous ces hommes qui ont compté pour Dieu, I identified seven basic things. J'ai identifié sept éléments de base. There are many more. Il y en a bien plus. Everybody who knew God and served God in the Bible. Tous ceux qui ont connu Dieu et servi Dieu dans la Bible had a personal transforming and commissioning encounter with God. Tous ceux dans la Bible qui ont fait quelque chose pour Dieu, eux tous, chacun dans sa vie a, à un moment ou un autre, connu une rencontre personnelle qui l'a transformé et à base desquelles Dieu lui a commissionné pour aller faire quelque chose de particulier pour lui. Une rencontre avec Dieu qui était personnelle, qui a transformé son être et à base duquel il a été commissionné. Chaque personne dans la Bible qui a été utile a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre transformatrice et une rencontre qui était la base de sa commission. Everyone in the Bible who was useful to God. Tous ceux qui dans la Bible ont été utiles à Dieu. Whoever they were. Qui qu'ils aient été. Whether Abraham or Adam or anybody. Que ce soit Abraham, Adam ou qui que ce soit. Or in the New Testament. Ou bien dans le Nouveau Testament. There is something common to all of them. Il y a quelque chose qui leur est commune à tous. It is the personal encounter with God. C'est la rencontre personnelle avec Dieu. They all met God personally. Ils ont tous rencontré Dieu personnellement. The manner may differ. La manière dont ils l'ont fait pourrait différer de personne à personne. But they all met God, each one personally, mais not in a group. Chacun d'entre eux a rencontré Dieu d'une façon personnelle, pas en groupe. They all met the Lord personally. Ils ont tous rencontré le Seigneur personnellement. All of them met the Lord at the personal level. Tous, ils ont rencontré le Seigneur au niveau personnel. And it changed them. Et cela les a changés. And it was because of that encounter. Et c'était grâce ou à cause de cette rencontre that they were sent to serve God. Qu'ils ont été envoyés pour servir Dieu. The apostle Paul met the Lord Jesus on Damascus Road. L'apôtre Paul avait rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. That encounter changed him. Cette rencontre l'a changé.
And it was during that encounter that God sent him. Et c'était pendant that God called him. Et c'était pendant cette rencontre que Dieu l'a appelé. And gave him something to do for him. Et lui a donné quelque chose à faire pour lui. Samuel, the young Samuel, encountered God in the tabernacle. Le jeune Samuel, quant à lui, rencontra Dieu dans le temple. Even the young Samuel, you know that he encountered God in the tabernacle. Même le jeune Samuel, vous savez qu'il a rencontré Dieu dans le tabernacle. God called him. Dieu l'a appelé. God spoke to him. Dieu lui a parlé. He changed him. Et il l'a changé. Cela l'a changé. And then he started serving God. Ensuite, il a commencé à servir Dieu. Everybody who served the Lord. Tous ceux qui ont eu à servir le Seigneur. In any way in the Bible. D'une manière ou d'une autre dans la Bible. Had a personal encounter with God. Chacun a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Everything starts from that personal encounter with God. Tout commence par cette rencontre personnelle avec Dieu. Everything starts with that personal encounter with God. Tout commence par cette rencontre personnelle avec Dieu. A spiritual career starts with that personal encounter with God. Une carrière spirituelle commence par cette rencontre personnelle avec Dieu. A spiritual life starts with that personal encounter with God. Une vie spirituelle commence par cette rencontre personnelle avec Dieu. Everything starts with that personal encounter with God. Tout commence par cette rencontre personnelle avec Dieu. And those who have had that personal encounter with God. Et ceux qui ont eu cette rencontre personnelle avec Dieu. That changed them. Qui les a changés. And that commissioned them. Et qui les a commissionnés. They are never the same. Après cela, ils ne sont plus jamais les mêmes. Everybody in the Bible who was useful to God. Tous ceux qui dans la Bible ont été utiles à Dieu. It started with a radical personal encounter with God. Cela a commencé par une rencontre personnelle et radicale avec Dieu. The manner was different. La manière était différente de personne à personne. In fact, there are no two people that whose encounter with God in the Bible are the same. En fait, il n'y a pas deux personnes dans la Bible dont la rencontre avec Dieu était identique. But they met God. Mais ils ont rencontré Dieu. Everything started from their encounter with God. Tout a commencé par cette rencontre avec Dieu. Their spiritual life, their spiritual career. Leur vie spirituelle, leur carrière spirituelle. It all started with that personal encounter with God. Tout a commencé par cette rencontre personnelle avec Dieu. Another aspect of the foundation that we'll be handling in the future. Un autre aspect de la fondation que nous allons gérer dans l'avenir is that all who serve the Lord in the Old Testament or in the New Testament knew and were filled with the Holy Spirit. C'est que tous ceux qui ont servi le Seigneur dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ont connu et ont été remplis du Saint-Esprit. The Holy Spirit
was not something extraneous, some etc. Le Saint-Esprit n'était pas un etc. They were filled with the Holy Spirit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. That is a foundational requirement. Ça, c'est fondamental dans la fondation. For this camp, pour ce camp-ci, we shall start from the start. Nous allons commencer par le commencement. There is no spiritual life, no spiritual career, no great service for God that does not start from a personal encounter with God. Il n'y a pas de vie spirituelle, pas de carrière spirituelle, pas de grand service à Dieu qui ne commence par une rencontre personnelle avec Dieu. In the next few days, pendant les prochains jours, we are going to be sharing with you a few people that serve God in the Bible and their history of personal encounter with God. Nous allons partager avec vous quelques personnes qui ont servi Dieu dans la Bible et leur histoire dans leur rencontre personnelle avec Dieu. Why? Pourquoi? We want each one of you to have your personal encounter with God. Parce que nous voulons que chacun d'entre vous ait sa rencontre personnelle avec Dieu. That is the only guarantee we have about the future. C'est la seule garantie que nous avons pour l'avenir. You may be a believer's child. Tu pourrais être l'enfant d'un croyant. And you may believe that you are a child of God. Et tu crois que tu es un enfant de Dieu. But everything starts with a personal encounter with God. Mais tout commence par une rencontre personnelle avec Dieu. Have you had that personal encounter with God? Est-ce que tu as déjà eu cette rencontre personnelle avec Dieu? Everything starts with a personal encounter with God. Tout commence par une rencontre personnelle avec Dieu. I would like 10 people to come and pray as we start looking at the encounter, the transforming and commissioning encounter with God. Je voudrais que 10 personnes viennent prier pendant que nous abordons toute cette question de la rencontre personnelle et de la rencontre transformatrice avec Dieu. Oh, blessed Father, we plead with you, Lord, that this crowd of your children gathered here and the multitude following as your servant is preaching and teaching, oh God, worldwide. We pray, Lord, oh God, that you create in the heart of each one, oh God, the desire, the longing, oh God, Father, create in us the wanting, oh God, to start with this basic foundation. Father, the desire to encounter you, to have a personal encounter with you, create it, oh God, in our heart, and please in our heart by the power of the Holy Spirit. And grant us as we follow, as we share, oh God, the examples of the encounters of others with you. Father, lay hold on us, and the desire will penetrate us, oh God, and that most of us will get into seeking for that encounter. In Jesus' name, amen.